La plage des Laurents. Et aujourd'hui, direction la Couronne et la Vigie de l'Agatas, au-dessus de Saint-Julien. Première fois que je reverse cette baraque. Juste pour voir ce que ça donne le soleil pile poil en face. Vigie de la Couronne. Et un blocos s'effondrait. Épais quand même, hein. Ouais, 50. Ouais. Bon, il y en a plein par ici, hein. Les vestiges. Et descend sur la Couronne. Marseille en face, là-bas, dans la brume. J'ai peur la moto. Tout droit à la déchetterie de la Couronne. On voit un camion là-bas. D'ailleurs, il va m'en aller là. Et lui, c'est passé. À droite, la Couronne. Avec un petit tunnel sous la voie rapide. Je crois que c'est en 2017 que ça a tout cramé. Hein. Et avant, c'était vachement brûlé. Il n'y a plus rien. Tous les vallons de ce côté, là. Plus rien. Gataz, c'est en face, là-bas. Il n'y a plus que 3 à 4 arbres. Moi, je vais
la prendre par la droite. Là, ils n'ont pas trop nettoyé encore. Ouais, j'ai plus le temps. En fait, ça gêne pas grand monde. Hein. Allez, c'est par là. Bon, ben là, je viens de faire demi-tour. Parce que le petit single qui permettait d'éviter cette grosse pente pourrie, eh ben, il n'existe plus. Oh là là. Ça contournait par le vallon. Dommage. Ah, la vigie est là-bas en face. Dans le bouquet d'arbres là. Il n'y a plus que la vallée à traverser. Et je remonte sous les pins là-bas. Pareil, il y avait un sentier à droite. Je m'appuyais. Ça va me mener directement à la vigie. Et cette piste, elle passe à la vigie. Belle la vigie. On est fin mai, elle va pas tarder à être habitée celle-là. Toutes les autres aussi d'ailleurs. La piste elle est là. Là. Et descend sur Saint-Julien.
Et là, on va retrouver le goudron et les voitures qui vont avec. C'est là-haut. Pour y aller, c'est tout droit. Et moi, je vais à gauche, maison. Marqué là-bas au fond. Tout le long, hein. J'ai déjà fait plusieurs fois ça. Dès que je peux lâcher une main, bon. Thank you.